Ryan Donovan, what the hell's going on there? Who's that guy? Let me tell you something. I've been screwed around long enough, ever since I lost my championship, my LLCV championship that I was unfairly stripped of, beaten, when it should not have happened. And you know what? I was damn sick and tired of being pushed around by this promotion. So I did something tonight. I brought in my insurance policy, Big Daddy D-Roy, and this man right here is going to make sure that justice is served. And we are here for one reason and one reason only, and that is to take over LLCV Wrestling. Et toute une attitude de Ryan Donovan. Qu'est-ce que Ryan Donovan va faire avec lui et sa police d'assurance? On va le voir le 15 novembre prochain. Tell him, big man. Who's your daddy? Steven the Sweet Boy enchaîne succès après succès après succès depuis mon retour à la LLCV. Oui, premièrement, j'ai enlevé la ceinture à Sylvain Grenier pour faire gagner Frankie the Monster. Deuxièmement, j'ai donné une belle correction d'humilité à Black Eagle qui se prenait pour un autre. Troisièmement, comme dit, comme prédit, comme vu, le 18 octobre dernier, j'ai battu Shawn Mason. Quatrièmement, Big Daddy D-Roy. Au dernier show, j'ai entendu parler que t'avais massacré Backstage Kickmaster. Ben, tu sais quoi? Tu viens de cogner à la porte du Sweet Boy. Parce que ça, c'est non. Kickmaster, c'est mon pote. Toi, je te connais pas, mais je te le dis au prochain show, le 15 novembre. Tu vas me connaître. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Parce que je vais être le partner de Kickmaster. Steven the Sweet Boy, comme toutes les autres, je vais te régler ton cas. Il paraît que t'es grand, t'es énorme. Je vais te donner une bonne leçon. Tu vas être à ma grandeur, puis quand tu vas être à ma grandeur. Je promets rien de vous autres. On se revoit le 15 novembre. Venom, ce soir, tu as vu le commencement d'une nouvelle ère à la lutte, c'est vrai. Big Fat Seb, Frank O'Neill, Frank Drouin. Deux de mes élèves. Frank, moi pis toi à ICW, on s'entend pas bien pantoute. On est à l'extérieur, on va mettre les choses de côté, on va s'unir. On est capable de travailler ensemble. Même chose pour toi, Frank. Qu'est-ce qui s'est passé à TA, c'est fait, t'es champion à cette heure, j'ai pas de problème en ce moment. Le 15 novembre prochain, Frank, prépare-les tes petits élèves nowhere, là. On va te montrer c'est quoi une vraie rivalité. La lutte, c'est vrai, à Joliette, ça va faire mal. Zach Black, Frank Venom et Nicoupé Rice, vous êtes fait des nouveaux chums ce soir, hein? Ouais, Big Fat Seb, il est venu intervenir dans le combat pour me faire perdre contre ces deux clowns, les deux frames, Frank Drouin, Frank O'Neill, ces deux clowns. Je vous jure, ça se passera pas de même. Tu veux venir à Joliette, chez nous? Si ça se passera pas de même, tu vas voir que à Joliette, j'ai mes gars avec moi, mes deux anciens élèves, Nicoupé Rice, Zach Black, nous autres on se tient.
on a du cœur. Puis le prochain show, on vous fait dans le ring, puis vous allez en manger une tabarnak! Les gars de l'IC, vous venez chez nous, dans le territoire de la Naudière, à Joliette, sur le territoire des gars de la lutte Saint-Jacques. Non seulement vous venez essayer, vous venez nous défier, nous envahir, mais en plus, vous envoyez nos gars, vos gars nous casser après des matchs pendant que les gars ont battu leur vie dans le ring, se sont donné sweat, blood and tears dans le ring pour gagner leur match. Vous venez les péter dans le dos de l'arbitre, puis après ça, leur sacrer des volets pendant que le match est fini. Puis en plus, après ça, vous envoyez un de nos gars, un de vos gars, dans mon match pour me péter le nez. Non, non, Frank. Non. Ils se mettent à trois. Non, des traites de même. Non, ça se passera pas de même. Nico. Une chose à dire, on va tout vous casser. That's it. On va défendre notre chez nous jusqu'au sang. Pis ça va faire mal! Victoire pour Mikey Marvin qui s'est débarrassé de Tony Pizza aujourd'hui. Et là, le 15 novembre prochain, je crois que tu avais un petit mot pour ton adversaire, Caden Rose de Team Tight. Caden Rose, Team Tight. Fallait bien que ça fasse 7 ans que j'aille arrêter de faire de la lutte au Québec pour revenir dans le business puis me rendre compte que il y a une fille qui s'appelle Marie-Lee Rose, il y a un gars qui s'appelle Caden Rose, la province de Québec au complet est remplie de roses. Eh voyons donc, ça n'a pas d'allure cette affaire-là. Moi, je le sais que je passe par beaucoup de noms. Il y en a qui m'appellent Monsieur 69, il y en a qui m'appellent Monsieur Mark Rose. Mais je peux vous dire une chose, à soir, tout le monde va se rappeler de mon nom. Puis on m'appelle Absolutely Sexy Mikey Marvin. Oh oui! Puis là, il y a quelque chose qui va se passer. Oh que oui! Le prochain show, la lutte, c'est vrai! Devinez contre qui je me pogne? Un gars qui s'appelle Caden Rose. Le gars qui a utilisé mon nom, sans le vouloir, mais ça c'est pas grave, c'est du passé. Tu vois, mon homme, on va tout un match, je te connais, on s'est vu une couple de fois, hein? Hey, by the way, mon buck, j'ai un petit cadeau pour toi. Non, pas des comme toi. Hein? C'est-tu pas des belles lunettes, ça? Le swag en personne, mon cher. Et voilà. Voyez, ça c'est tout un portrait. C'est tout un portrait, comme le mien d'ailleurs. Le futur de la lutte au Québec est ici à soir. Il va être ici pour encore un mot t'a dit bon bout. Absolutely! Baby! On se voit le 15 novembre. C'est vrai, le 15 novembre prochain. Je sais que la plupart d'entre vous, vous en foutez, vous ne serez pas là parce que rendu le 15, votre chèque est déjà fini, ça fait longtemps. Mais pour les autres, qui ne se seront pas acheté un chip de plus pour écouter Monday Night Mard, là, ben, je me bats contre Maradès. Puis je vais vous sauver 15$ en vous annonçant que je ne serai pas tout seul. Non, je vais avoir avec moi la solution. Nelson Sawyer. Nelson! Vous vous demandez sûrement la solution à quoi? Ben à toutes, esti. Parce qu'au dernier, dans les gars-là, il y a eu le gros de... Le gros, là, D-Roy, c'est ça, D-Roy, qui est interféré dans mon combat. Puis là, ça se reproduira pas contre Maradès. Non. Lui, il va être là pour s'assurer que ça soit la bonne personne qui gagne. Fait qu'on va s'en voir là-bas, ceux qui sont pas sur le BS, le 15 novembre. Ah, c'est où déjà? Saint-Onsan en calice. Fait que le 15 novembre, parce que... La lutte, c'est vrai. En tabarnak! Viens-t'en. A little bit of pain and misery. I think I can.
peux pas croire. Je peux pas croire qu'il me book un match contre un fan de lutte. Pas un lutteur, là! Un fan de lutte imité Shawn Michaels en plein milieu de la rue. C'est quoi ça? Mais je comprends Seth Cassidy. Shawn Michaels, c'est un idole. Hein? Shawn Michaels, c'est un classique. Mais laissez-moi vous dire, le 15 novembre, à la lutte, c'est vrai, Seth Cassidy va trouver un autre classique, puis il s'appelle Emilio. Rendez-vous le 15 novembre. Just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I make him hot. I make him shiver. Then he's get weak. Whenever I'm around, they see. Saison, nouveau gala et nouvelle victoire pour Marie-Lee Rose. Et tu passes en finale du tournoi pour le titre féminin. Et là, on ne sait pas encore qui tu vas, contre qui tu vas te battre. Sally, Kat Von Gogh, on ne sait pas encore. À quoi tu t'attends, Marie-Rose? En fait, je m'en fous un peu. Peu importe c'est laquelle, je suis super confiante. Sally, je la connais par cœur. Puis Kat Von Gogh, on dira ce qu'on voudra. Elle est encore pas mal green. Fait que moi, avec mes 15 ans d'expérience, facile! La ceinture de la lutte, c'est vrai, ça s'en vient autour de ma taille, juste ici. Sally, Kat, peu importe laquelle, vous allez savoir qu'avec Marie-Lee Rose, la lutte, c'est vrai.